Il y a quelques années, je défendais un garçon. Alors, l'affaire me reste en tête parce que c'était en plein un acquittement. Et souvent, aux assises, les acquittements sont aléatoires. Et on est obligé, bien sûr, de se caler sur la version du client, en dépit parfois d'un dossier qui n'est pas très bon. Alors, pendant plusieurs heures, on avait ramé avec l'audition du policier qui avait fait l'enquête, comme ça se fait d'habitude, des témoins, etc. Et puis, moi, j'avais plaidé, tant bien que mal, l'acquittement. J'avais ferraillé, j'avais transpiré, et j'étais finalement assez convaincu que j'avais raison. Et à la fin, traditionnellement, on demande à l'accusé de se lever, on dit « Monsieur, vous avez entendu votre avocat, vous avez vécu l'audience, qu'avez-vous ajouté puisque vous dites effectivement vous êtes innocent ?» Et il s'est levé, il a regardé la présidente et a dit « Madame le président, je regrette. » Effectivement, tout est tombé à l'eau et la présidente m'a regardé avec un sourire amusé en disant « t'as bien travaillé pour pas grand-chose ».